Bienvenue tous à Trouver des colocataires, où nous voyons les aventures de nos quatre protagonistes, Jacques, Olivier, Natacha et Susie, pendant qu'ils habiteront à vivre ensemble dans la ville. Il est temps pour vous de les connaître personnellement et en prendre plus sur eux-mêmes. Me prenez en vidéo? Oui, salut à le public. Oh, bonjour, je suis Khalid et je viens d'Irak. Il y a déjà deux semaines que je suis arrivé à Paris. Et j'ai trouvé ces jeunes qui me laissaient vivre dans leur appartement. Mais ils croient que mon nom est Jacques. Et ils ne connaissent pas que je suis un migrant. Je suis Susie. Je travaille comme mannequin. Peut-être que vous me connaissez des magasins comme Vogue ou Elle. Mon rêve est d'être le mannequin sur les ouvertures de ces magasins. Pour être honnête avec vous, je ne voulais pas quitter Milan. Mais Paris n'est pas mal du tout. Je n'aime pas de partager mon espace, mais je pense que vivre avec des étrangers peut être intéressant. Salut, je m'appelle Olivier. Je suis en médecin nouvellement diplômé. Pourquoi me déménager à Paris? Parce que c'est toujours mon rêve. Je ne peux pas expliquer à quel point je suis excité. Pour vivre avec d'autres gens, parce que je n'ai jamais habité seul. Bonjour à tous, je pense que vous me connaissez déjà, mais si tu étais une art qui ne sait rien du mode de la mode, oh, je me présente. Je m'appelle Natacha et je suis la prochaine étoile du monde de la mode. Je viens de l'aéroport après avoir été une petite vacance à Milan et maintenant je vais vivre dans ma ville préférée qui c'est Paris. J'adore Paris, je suis vraiment excitée. Le seul inconvénient est que je dois partager mon espace et mon appartement avec des autres quelques étrangères. Et ceci est mon meilleur ami, je l'aime beaucoup. Natacha, c'est mon meilleur ami, ceci. Bonjour. Ça va? Très sympa. C'est tout. C'est excellent. Oui, je sais. Notre mieux formation. Je l'aime. Je l'aime aussi. Merci à tous. Je m'appelle Jacques. Bonjour. Je suis Olivier. Qu'est-ce que tu aimes manger, Natacha? C'est pas, peut-être une crêpe ou un panini. Moi, je pense qu'une crêpe. Moi, je préfère un panini. J'aimerais une crêpe. Moi aussi, j'aimerais une crêpe en ce moment. C'est magnifique, je l'adorais. C'est très bon cette crêpe. Oh là là, c'est délicieux. Oh mon Dieu, mon crêpe c'est très copieux. Je n'ai plus de place pour autre chose. Attention, attention tu. Demain, c'est le défi des VES et tu dois y aller, ok? Et tu dois porter des vêtements roses. C'est très 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 important. Pourquoi vêtements roses? Car c'est mon couleur préférée. Oui, sérieux, super cool. Quel est beau. Pour moi, c'est bon de voir les mannequins. Moi, je ne sais pas. Pourquoi? Je dois travailler. Ah. Ok, tu ne vas pas. Je sais qu'il a quelque chose de bizarre de lui. Il cache une secrète. J'ai sûrement un but. De le sortir de mon appartement. Toute l'année pour ce défi, je suis très très excitée. Ah! Tu ne penses pas? Est-ce que tu penses aussi? Oui. Malheureusement, je ne pourrai pas participer cette année. Mais la prochaine année sera. Je ne me sens pas confortable en rose. Mais si tu en rose, je l'adore. Ça va être super. Oui, je crois. Tout le monde a assisté au défilé de mode.
Natacha avait tué les roses parce que c'était le show de mode Victoria's Secret Fashion Show dans Paris. Natacha n'a pas voulu inviter Khalid, mais Khalid est convaincu par Susie et Olivier. And baby, I'm loving it. Oui, c'est bon, mais pour c'est où Khalid? Moi, je n'importe pas. Il m'a demandé une vidéo. Pendant les défis, tout le monde passait un bon moment. Mais la tensión entre Jack y Natasha continúa. Aller au Tour Eiffel pour faire un petit pique-nique juste à côté du Champs-Élysées avec des pommes, avec deux gâteaux, tous, wow. On y va être une très très jolie temps ensemble. La grande, je l'adore, la Tour Eiffel c'est magnifique, tu ne penses pas? Oui, je l'adore. Mais toujours, toujours, c'est belle. Oh, ben oui, c'est magnifique, quoi. Super soif. Ceci, donne-moi de l'eau. Tu pensais pour que je suis. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Vous me traitez comme votre femme de chambre. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. On y va, Olivia, Jack? Je ne sais pas. Cela me fait pour que les filles soient en colère. Je ne sais pas si je pourrais supporter tant de drames, oh mon Dieu. Je suis très contrariée avec Natacha. Elle a été très cruciale avec Khalid et maintenant elle me traite comme si j'étais sa femme de chambre et non sa meilleure amie. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne sais pas pourquoi Natacha me traite comme ça. Elle ne sait pas que je suis un migrant. Je ne sais pas comment elle réagira si elle savait. Bring that ass back like a boom 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 boom. Natacha! Natacha! Oui? It's trop tard. On devrait chercher Jack et Olivier. Non, c'est pas tard maintenant. Oui! Never gave up.
avez-vous couru? Parce que la police ne peut pas me voir. Pourquoi avez-vous tellement peur? Parce que je suis un migrant. Je n'aurai jamais eu confiance à Olivier. Je pense qu'il pourrait révéler mon secret. Oh mon Dieu, hier a été une nuit très fouillée. Ma tête me fait mal. Je ne me souviens pas de ce qui n'est pas juste que Natacha a pris mon sac Gucci parce qu'elle l'aime beaucoup. Et maintenant, je ne peux pas le trouver de quelque chose à propos de Jacques et d'Irak. La vérité, ils me demandent tous ce que Jacques m'a dit. Il m'a dit la vérité, qu'il était un immigrant. Mais je ne devais pas dire à personne, car sinon, Léon est mené à la police. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Souci? Oui? Je dois te parler. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolée, comme je t'ai répondu hier. La manière que j'ai et que je te parle, c'est pas bon. Oh, c'est bien, je t'ai vécu. Oh, merci, désolée. Natacha, tu vas être plus gentille avec Ali. C'est une bonne personne. Je sais. Je vais essayer, mais je ne peux pas faire confiance à lui. Il est bon. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Ta journée, c'est bon? Oui, mais le travail, c'est beaucoup. Donne-moi des ordres. Et toi? Et c'est toi? Ah, c'est très important. Je suis un migrant. Quoi? Je savais qu'il y a quelque chose à propos de lui. Je t'ai dit. Mais attendez, il y a une explication. Nous écoutons. Quelle explication? Ma famille et moi étions complètement sortis dans la rue et personne n'entre, nous ne s'est occupé d'un emploi. Alors, j'ai décidé de venir à Paris pour trouver un emploi, même si c'était quelque chose de petit. Je ne suis pas une mauvaise personne, je le promets. Désolée vraiment pour mon attitude, je ne connais pas votre histoire. Ne vous inquiétez pas, nous vous t'aiderons. Ça, c'est vraiment terrible, Khalid. Mais nous sommes ici pour toi. Je me sens très mal à propos de la façon que j'ai attrapé Khalid. Je ne connaissais pas son histoire. Je l'ai mal jugé. Et arrivé à Paris, je pense que tout serait différent, mais je pense que je devais ouvrir les yeux, car ça m'a fait mieux réfléchir à mes amis. J'espère que tout va bien pour Khalid. Il aura notre soutien. Khalid est très cool et il est devenu un bon ami. Je suis contente que Khalid nous a fait confiance et nous l'a dit. Ce qui importe, c'est de ressentir notre soutien. J'espère maintenant que nous nous améliorons d'eux, en particulier Khalid et Natacha. J'ai été très nerveux pour leur dire la vérité. Ce qu'ils m'ont compris, j'espère que tout va bien se passer.